Mascarin Jardin Botanique de La Réunion a officiellement lancé son application mobile ce jeudi 14 septembre. Une application déclinée en français et en anglais. C'est une application qui est téléchargeable sur les plateformes de téléchargement médias et donc qui va permettre de mettre en valeur un petit peu le jardin botanique des Mascarins, d'explorer le jardin, d'explorer des collections qui sont présentes au jardin. Donc ça va permettre de faire connaître davantage ce qui se trouve ici au jardin botanique des Mascarins. Il faut savoir que le jardin botanique des Mascarins est un jardin qui est labellisé jardin remarquable, qui bénéficie d'une plantation de 4000 espèces d'arbres indigènes et endémiques. L'application propose une balade numérique guidée en compagnie de Lucé qui accompagne le visiteur dans les paysages de La Réunion. Un personnage inspiré de Lucé Lachumaya, un illustre jardinier du jardin botanique. Auparavant, mes parents étaient ici avant. Ils travaillaient comme agricole sur la cour des Sacrevieux. Et puis au moment, en 88, quand le conseil général avait cherché quelqu'un, ils avaient adopté ce président comme agent. Après, au fur et à mesure, ils étaient jardiniers. Après, les jardiniers, ils étaient fait guide au tourisme, guide tout. Après, les guides, ils avaient arrêté pour aller dans les jardiniers, adapter aux portes longtemps. Dans le même temps, Mascarin lance aussi l'Explore Game, un jeu de pistes sur tablette ou smartphone. Le jeu s'intitule Talia et le trésor de Commerçon. Le but du jeu, c'est une chasse au trésor et la recherche justement d'un trésor qui représente une planche d'herbier qu'a, paraît-il, caché Philibert Commerçon, un célèbre botaniste du XVIIIe siècle, qu'il a caché dans le jardin. Donc le visiteur, ça peut être des touristes, ça peut être des collégiens, ça peut être la famille réunionnaise au sens large, va comme ça être conduit d'étape en étape pour répondre à des énigmes. Et une fois que l'énigme aura été résolue, il passera à l'étape suivante. Et à la fin, arriver à découvrir cette planche d'herbier qui a été décrite par Commerçon en hommage à Jeanne Barré, qui, je rappelle, a été la première femme à faire le tour du monde au XVIIIe siècle. Pour les Journées européennes du patrimoine, Mascarin, le jardin botanique de La Réunion, permettra aux visiteurs de tester en avant-première le jeu, c'est samedi 16 et dimanche 17 septembre.